Le palmarès des prix remis par l'Association des correspondants de la presse étrangère en Espagne. Hier soir, son président, le journaliste marocain Saïd Idda Hassan, a notamment décerné un trophée à la sélection espagnole de football pour son esprit d'équipe devant de nombreuses personnalités. Samia Harissi. Un grand moment de fierté pour Saïd Idda Hassan. Le chef du bureau madrilène de l'agence Maghreb Arab Press est aussi le président de l'association des correspondants de la presse étrangère en Espagne, la CPE. Et c'est en présence et avec l'appui de la numéro 2 du gouvernement ibérique, Maria Teresa Fernandez de la Vega, que le journaliste a remis le prix de la personnalité politique de l'année au maire de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. C'est un grand honneur pour mon agence, la MAP, et pour le Maroc, parce que c'est la première fois dans l'histoire de cette association vieille de 86 ans que depuis déjà 3 ans, son président est marocain. La cérémonie de remise de prix de la CPE a attiré cette année tout le gratin médiatique, politique, économique, sportif et culturel. L'occasion pour Saïd Idda Hassan de lancer un message universel. Gobierno socialista, un año más. En ces temps de crise, pas seulement économique, mais aussi au niveau des valeurs humaines, les correspondants étrangers en Espagne ont décidé de placer cette cérémonie sous le signe de l'espoir. C'est la Banque d'Espagne qui a raflé le prix de l'économie. L'exposition Saragosse 2008 a reçu la plus grande distinction culturelle. Quant au prix sportif, il est revenu à la sélection espagnole de football. La CPE regroupe actuellement 110 journalistes accrédités en Espagne.